Salut le peuple! On se retrouve pour une nouvelle vidéo thématisée Arcane cette fois sur une chanson qui vient de sortir. Puisque on m'a dit dans l'oreillette que une chanson Arcane slash League of Legends était sortie et que c'était fait par ni plus ni moins que Linkin Park. Bon! C'est vrai que l'année dernière on a eu Gods, qui est un banger absolu. Donc on devait s'attendre à quelque chose de plutôt qualitatif cette année. Pourquoi est-ce que je suis étonnée? Non, je suis pas étonnée. J'ai vu passer un petit extrait sur je sais plus quel réseau hier. Mais là, on a la vidéo avec les animations, avec la version studio. Donc ça va être banger, je pense. De toute façon, c'est Linkin Park. Donc si c'est pas banger, je comprends pas ce que c'est. Il paraît que ça fait aussi partie de la bande-son originale de Arcane, saison 2. Donc c'est une musique qu'on va retrouver dans la série. Ça, c'est incroyable. J'ai hâte. Et puis voilà, hein, qu'est-ce que j'attends de cette chanson du lourd? On va écouter ça et on va voir tout de suite ce qu'il en est. Mais je pense qu'on va s'éclater, en tout cas. Allez, 3, 2, 1. Ok. Une cathédrale. Le conseil. Qui êtes-vous? Je sais pas toutes les rêves peut-être. C'est hyper, non? Oh yes! Ah ouais, ils ont été animés et tout. Incroyable. Oh, ils sont trop stylés. Ils les ont animés et tout. C'est pas les rêves de tous les persos, c'est une honte. Ah mais oui, c'est une couronne logiquement et elle est lourde. Combien de temps il tient la note? Ça doit être des joueurs connus que je ne connais pas. Ah mais fake cap, non? C'est une honte si je me suis trompée. Oh, l'animation. Ok. Ouais. Oh, attendez. Qui est-ce qui? Oui, bonjour. Ah, d'accord.
Eh bien. Waouh! Waouh! C'est incroyable. Ouais. J'ai kiffé ma vie. Oh, c'est une musique à voix du loup, hein. Vraiment. C'est Linkin Park en même temps. Qu'est-ce que j'attendais d'autre? Vraiment, on peut rien attendre d'autre d'eux. C'est que du banger. Je suis absolument fan. Bon, après, je connaissais plus leurs chansons d'il y a pas mal d'années, genre Numb et tout ça. Mais là, d'entendre celle-là, oh, la tenue de voix qu'elle a, la fille, mais qu'est-ce que quoi? À quel moment c'est humain? Puis derrière, il y a un peu, je trouve, la mélodie, la façon de jouer du groupe qui est un peu signature et qui donne ce derrière un peu. C'est des trucs que je trouve ça ressemble à leurs anciennes musiques et ça fait du bien, ça ramène l'ancienne vibe de Linkin Park. Je trouve que c'est trop bien. Et puis, bah, ce que je suis curieuse de savoir, parce que ça va très très bien avec les Worlds, ça match vraiment le côté de je vais vous tabasser, elle est lourde la couronne, les responsabilités de la couronne et tout ça. Mais en vrai, j'ai hâte de savoir comment ils vont le mettre dans Arcane. Où c'est qu'ils vont le mettre dans Arcane? Parce que la couronne est lourde. Est-ce que c'est le chef de la révolution, donc le symbole de la révolution? Est-ce que c'est Echo? Est-ce que c'est Jinx? Est-ce que c'est aussi la couronne que portent les chefs de Piltover? En fait, c'est la couronne que porte tout le monde, qui est une responsabilité importante au final. Mais j'ai hâte de savoir à quel moment ils vont le mettre dans Arcane, par contre. Qu'est-ce que ça va être comme moment? Est-ce que ça va être pendant un moment de battle? Est-ce que ça va être l'opening? Après, j'espère pas, parce que je trouve on ferait mieux de garder Enemy vers une nouvelle version pour le générique, je trouve. Après, je ne sais pas, on verra bien. En tout cas, très banger. Ça peut être ultra épique si c'est dans une bonne scène d'Arcane. C'est ultra épique là avec la vidéo de League of Legends. Donc, pépite. Je suis désolée, j'ai pas beaucoup de refs dans les personnages qu'ils ont montrés, par contre, parce que je ne suis pas les Worlds. C'est la première année que potentiellement je vais m'y intéresser, mais autant je joue à League of Legends et j'aime Arcane, autant bon, regarder d'autres jouer, mouais. Mais en tout cas, je kiffe. J'adore tout ce qui est musique, musicalement parlant, c'est génial. Le rock, c'est super, et là, ça avait même une vibe métal, je trouve. Et c'est banger, ça reste dans la tête. J'ai déjà le This is what you came for, heavy is the crown, qui reste dans la tête. De ouf. Je peux pas le faire trop crier parce que je suis encore malade. Mais j'adore. Trop fan. Trop cool. Toujours hâte de voir encore plus d'Arcane et de League of Legends arriver. Et restez connectés, on se retrouve pour d'autres vidéos très bientôt. À bientôt les loulous. Wouh!